Piketty, ou parce que c'est le début de l'année, mais en tout cas, je suis ravi qu'il y ait autant de monde et qu'il y ait aussi des personnes nouvelles qui, jusque présent, n'étaient pas venues. Donc, ce soir commence un cycle de 3 séances sur Bernard, que va animer Bernard Tabuteau, à propos du capital du XXIe siècle de Piketty, Thomas Piketty. Alors ce bouquin, c'est juste un buvable, c'est 980 pages, c'est un pavé qui est énorme. Il y a besoin d'un économiste qui va le rendre digeste, qui va le rendre compréhensible pour tous, et en tout cas c'est la confiance et le pari que je porte à Bernard. Mais habituellement il nous fait toujours de très très belles conférences, et ce qu'il nous dit est très très didactique. À la fin de ces conférences, on sort en ayant le sentiment d'avoir tout compris, d'être intelligent, et puis 5 minutes après on est incapable de répéter, mais ça c'est juste normal. Bernard, merci, tu es un fidèle de l'Université Populaire, c'est la 3e année que tu y interviens. J'ai même fait la première séance. Absolument, absolument, et c'est toujours du grand bonheur que de t'avoir avec nous, parce que tu es un vrai militant, à la fois dans tes activités professionnelles, mais aussi dans tes activités citoyennes. Et moi, j'aime bien travailler avec des personnes de ce courage-là, de cette implication, de cet investissement. Merci beaucoup encore, et puis ta soirée sera un tout petit peu raccourcie, mais on va faire avec. Ouais. Merci. Encore grand merci, Bernard. Merci. Merci. Donc, on s'est déjà un peu salué au cours du pot. Donc, excusez-moi encore, parce que je ne pensais pas qu'il y ait tant de monde aujourd'hui, donc je n'ai pas fait assez de photos, mais bon, comme ce document, il servira pour les 3 séances. Vous l'aurez très prochainement, puisqu'on va le déposer sur le site, et si éventuellement on vous l'envoie par internet, il n'y a pas de problème. Donc je vais consacrer ces 3 séances à essayer de vous éclairer un peu sur cet ouvrage majeur, de mon point de vue, de Piketty, qui est le capital du XXIe siècle. Alors, 2 mots d'abord. Expliquer aussi pourquoi je me suis intéressé à Piketty. Hein. Piketty, donc, c'est Thomas Piketty. On peut considérer que c'est encore un jeune économiste, surtout pour moi, parce qu'il n'a que 45 ans. Donc je considère qu'il est jeune, étant donné que j'en ai plus de 70. Donc c'est un enseignant-chercheur à l'EHESS, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales, et à l'École d'économie de Paris, spécialiste des études sur les inégalités. Donc j'aime bien Piketty pour des raisons, disons, scientifiques. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant ces 3 séances, par son apport au monde des connaissances. Mais j'aime bien aussi Piketty par sa manière ouverte d'essayer de comprendre le monde, quoi. C'est-à-dire que Piketty, il est dans une perspective où il ne considère pas que l'économie seule peut apporter la compréhension du monde, contrairement au courant dominant aujourd'hui dans l'économie qui a modélisé les comportements et prétend détenir la vérité scientifique. Donc il est dans une démarche ouverte, ouverte vers l'histoire, ouverte vers la sociologie, et ouverte vers, on va le voir, même d'autres formes de compréhension des activités humaines. Et j'aime bien cette manière de concevoir les choses. Donc c'est aussi cet intérêt-là qui m'a porté à travailler sur le bouquin de Piketty. Donc il a eu d'abord un très grand mérite, c'est de remettre en lumière la question des inégalités dans nos sociétés. La question des inégalités, et il a eu ce grand mérite parce que ça nécessite de brasser énormément de sources d'informations, de les brasser dans le sens où, pour que ces informations parlent,
il faut qu'on puisse les rendre cohérentes dans le temps et aussi les rendre cohérentes dans l'espace, c'est-à-dire pouvoir faire des comparaisons avec d'autres pays. Et donc c'est un immense travail. Donc il a eu ce mérite de se retrousser les manches et vous allez le voir parce que c'est colossal son travail et donc de pouvoir remettre sur la table des données fiables sur la question des inégalités et parce que cette question des inégalités je crois qu'elle est cruciale pour comprendre le monde dans lequel nous vivons parce que qui dit inégalité et surtout quand ces inégalités augmentent dans le temps, elles posent énormément de questions économiques, politiques, morales. Hein. Donc cette question elle est cruciale et puis parce que s'il y a inégalité croissante, se pose aussi la question comment les corriger. Donc ça débouche sur des propositions disons politiques qui permettent éventuellement de rectifier les inégalités qui naissent dans le mouvement du système économique. Donc cette question des inégalités qu'il a remis sur la table, elle est cruciale pour toutes ces raisons. Mais j'ajouterais, il y a un élément supplémentaire, disons que je ressens peut-être encore plus en tant que économiste qui a fait sa vie dans ce domaine-là, c'est qu'il a fait aussi une œuvre de chercheur. Il a montré, vous allez le voir, je vais essayer de vous l'expliquer, il a montré en faisant un travail historique considérable, puisqu'il est remonté au XVIIIe siècle, il a montré que le système économique capitaliste pousse à l'accroissement des inégalités. Donc il peut y avoir, on verra, des périodes où ces inégalités régressent, mais fondamentalement, la logique du système, c'est de pousser. Et ça, il le démontre. Si vous voulez, le premier point, ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre sur la table des informations qui soient fiables dans le temps et dans l'espace, ça c'est déjà énorme. Hein. Mais en même temps, réussir à démontrer que le système produit des inégalités, et donc si il n'y a pas de politique économique mise en œuvre contradictoire, ces inégalités, elles ne font que croître. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors juste deux points avant de commencer sur le chiffre, pour vous donner deux, trois informations clés pour situer un peu la question des inégalités. Le premier, bah, vous savez tous, les revenus de Carlos Ghosn, on en parle suffisamment, 15,6 milliards d'euros, millions d'euros, pardon. Donc c'est 1100 années de SMIC. Donc si cette donnée elle est intéressante parce que le courant dominant dans l'économie aujourd'hui, il explique les écarts de salaire par des écarts de productivité. C'est-à-dire que la hiérarchie des salaires s'expliquerait par les différences de productivité. Quelqu'un de très qualifié, il est plus productif et donc il a un salaire plus élevé. C'est difficile à justifier quand on est dans un rapport de 1 à 1100. Vous voyez, je veux bien que Carlos Ghosn soit un génie, mais dire qu'il est 1100 fois plus productif qu'un smicard, ça relève, voilà. Et donc là, la théorie dominante est en difficulté pour expliquer de tels écarts. Deuxième information, la part des revenus détenus par les 1% les plus riches. Vous prenez le revenu national, vous regardez ce que détiennent les 1% les plus riches. En France, entre 1980 et 2010, c'est passé de 7 à 11%. C'est-à-dire que
Donc les 1% les plus riches en France recevaient 7% du revenu national en 1980, 11% en 2010. Aux États-Unis, c'était 8% en 1980, c'est 17% aujourd'hui. Ça, c'est le revenu. Et dernière statistique, juste pour situer le débat, il y a les revenus, puis il y a les patrimoines. Le revenu, c'est une chose, c'est un flux régulier, donc qui produit des inégalités, mais il y a le stock, c'est-à-dire ce qu'on détient. Aujourd'hui, en France, les 1% les plus riches détiennent 17% du patrimoine, du capital national, que ce soit sous forme logement, action, enfin toutes les formes de capital, on va y revenir. Dans le monde, aujourd'hui, les 1% les plus riches détiennent 48% du patrimoine. Vous voyez, c'est colossal. Hein. Voilà, c'est juste ça pour donner un petit aperçu de cette question des inégalités. Donc vous voyez bien qu'en arrière-plan, il y a tout un système. Et ce que je vous disais quand je comparais 1980 et 2010, 8% aux États-Unis en 80 pour les inégalités de revenus, 17%, 17,5% aujourd'hui, vous voyez que ces inégalités se sont remises à croître de manière vertigineuse dans les dernières années. Bien. Donc j'en arrive à ce petit document. Là, c'est un espèce de guide de ce que je vais vous expliquer. Le capital du 21e siècle, donc c'est cet ouvrage monumental qui fait plus de 900 pages de Piketty. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il a fait l'objet, hein, je le dis, là je cite Krugman parce que c'est un économiste américain assez connu, Paul Krugman, livre le plus important de la décennie. Bon, il a été traduit dans 40 langues, je veux dire, c'est pas totalement un hasard, c'est que cet ouvrage, il fait quand même date à un moment donné, il fait référence. Il a eu ce privilège très rare, très très rare pour un économiste, surtout un économiste non américain, de tenir un séminaire à la Maison Blanche. Donc, en 2014, donc c'est pour situer quand même l'importance de ce travail. Et donc, le mérite de ce travail, de ce que fait Piketty, c'est de replacer son analyse du capital au XXIe siècle dans une histoire générale du patrimoine et des inégalités depuis le début du XVIIIe siècle. Donc, c'est ça l'intérêt, parce que si vous voulez, ce recul de temps, c'est ce qui va lui permettre de découvrir des aspects qui sont fondamentaux, qui sont au-delà de ce qu'on peut observer dans le court terme. Et donc, j'en viens tout de suite à ce que j'ai mis en gras et que je vais essayer de vous expliquer tout au long de ces trois séances, c'est que le capital a eu tendance, tout au long de son histoire, à produire des niveaux d'inégalité croissants. Parce que, et c'est ça la découverte de base, il n'y a qu'une chose à retenir de ces trois séances, c'est celle-là, je vais vous l'expliquer en long, en large, en travers, c'est que le rendement sur très longue période, donc depuis 1700, le rendement du capital, petit r, hein, qu'il a dans son livre, excède en tendance. On verra qu'il y a toute une série, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a toute une série de périodes où ce n'est pas toujours le cas. Et c'est l'intéressant, c'est d'expliquer pourquoi. En tendance, le rendement du capital excède le taux de croissance de l'économie. Et donc, il dit ça, c'est la contradiction centrale du système économique dans lequel nous vivons. À partir du moment où, sur longue période, le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance de l'économie, eh bien, le capital va avoir tendance à croître dans la société. Donc la richesse par le patrimoine, elle s'accroît, donc si le rendement du capital est plus élevé que le taux de croissance de l'économie, ça veut dire que les revenus que le capital génère s'accroissent à un rythme supérieur
à celui de l'ensemble des revenus, des autres revenus. Donc, c'est ça, sur longue période, la cause principale de l'importance du patrimoine par rapport aux revenus, puisque le taux de rendement du capital va plus vite que le taux de croissance de l'économie. Donc, ce rendement procure des revenus qui sont transformés en capital. Et donc, sur longue période, le rapport entre le capital et les revenus tend à augmenter. Donc, ça, c'est... Voilà. Alors, je vais essayer, à partir de ce point fondamental, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a dans le livre de Piketty à travers cinq moments, j'ai appelé ça des sections. Donc la première, ça sera ce qu'il appelle le patrimoine roi comme situation prédominante en régime capitaliste. Donc ça, c'est la tendance de fond. La section 2, j'essaierai de vous expliquer pourquoi cette tendance de fond n'est pas toujours vérifiée au cours d'un certain nombre de périodes historiques. C'est-à-dire les fluctuations de la situation du patrimoine par rapport aux revenus dans les différentes périodes depuis 1700, différentes périodes de l'histoire. Donc ça sera la deuxième section. La troisième section, ça sera les spécificités, parce qu'après avoir montré cette tendance globale et les périodes qu'elle génère au cours de l'histoire, après il s'intéresse de plus près aux spécificités des inégalités de revenus et patrimoine au 19e et 20e siècle, donc dans la période plus récente. Donc ça sera la troisième section. La quatrième, une partie de son livre, une fois qu'il a fait tous ses constats, il fait des propositions pour réguler le capital du 21e siècle. Donc c'est ces propositions que je vous présenterai, ces propositions de régulation. Et il y aura une dernière section qui est un peu anecdotique, parce qu'il a intitulé son livre « Le capital du 21e siècle ». C'est un clin d'œil en même temps, parce qu'en 1867, Marx a écrit Le Capital. La dernière section, j'essaierai de vous, très rapidement, de vous montrer ce qui diffère dans la démarche de Piketty et dans la démarche de Marx. Donc voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, y compris parce que si vous avez feuilleté les documents que je vous ai passés, il y a des graphiques. Il y a deux, trois points techniques qu'il faut que je vous précise. Donc, ce qu'il entend par capital ou patrimoine, qu'il appelle K. Dans le livre, c'est K. Le capital ou patrimoine, c'est donc le capital total. C'est aussi bien les actifs financiers. Donc les actifs financiers, c'est les actions, les obligations, etc., que les actifs non financiers. Les actifs non financiers, c'est les logements, les terres, les machines, etc. C'est ça le capital, le stock de capital, le patrimoine, c'est ça. Ensuite, comme il met en rapport, je vous ai dit, la tendance de longue période, c'est que le stock de capital augmente par rapport au revenu national, puisque le taux de rendement de capital va plus vite que le taux de croissance de l'économie, rappelez-vous toujours ce point. Donc il met en rapport le capital avec le revenu national. Donc le revenu national, alors vous avez sans doute déjà entendu parler du PIB. Bon. Le PIB, c'est la valeur ajoutée, en gros la richesse produite en France ou dans un autre pays au cours d'une année. Donc, comment on passe du revenu national au produit intérieur brut? Le produit intérieur brut, ça fait référence à une notion de territorialité. C'est toute la richesse produite en France, dans le territoire français, quelle que soit la nationalité des individus qui produisent cette richesse en France. Le revenu national, c'est la richesse produite par les nationaux. Donc il y a une grande... pour la France, il y a 95% de recouvrement. C'est-à-dire que l'essentiel de la richesse en France, elle est produite par des nationaux français. Ce n'est pas complètement le cas. Il y a une partie de la richesse produite en France qui l'est par des... au cours de l'histoire, qui l'est par des non-nationaux, des étrangers. Donc,
comment on passe du PIB au revenu national? Eh bien, vous prenez le PIB, vous y ajoutez les revenus qui sont issus d'agents français, d'agents économiques français à l'étranger, parce qu'il y a des Français aussi qui produisent à l'étranger, et vous soustrayez les revenus versés aux acteurs étrangers qui opèrent en France. Voilà. Donc, vous passez du PIB au revenu national. Je suis obligé de faire cette manip, parce que dans l'ouvrage de Piketty, il parle du revenu national. Parce que, si vous voulez, dans l'histoire, au début, on avait des statistiques en 1700, 1800 sur le revenu national. Donc, il a continué dans cette logique-là. Mais bon, vous voyez, c'est une logique territoriale par rapport à une logique nationale. Donc, il y a un gros recouvrement, mais pas un recouvrement intégral. Alors, bon, j'ajoute, puisqu'il part, vous le verrez, même si vous avez déjà feuilleté les graphiques, il part de 1700. Donc, il y a un énorme travail de reconstitution. Vous voyez ce que c'est? De série de cas du capital et du revenu national. Donc, je veux dire, pour quelqu'un qui a plongé un jour ses mains dans l'univers statistique, reconstituer des séries cohérentes depuis 1700, c'est de capital et de revenu national, c'est un travail colossal. Et il ne l'a pas fait que pour la France. Et c'est ça l'intérêt aussi. Parce que s'il avait fait que pour la France, on pourrait dire la loi qu'il dégage, cette fameuse loi que je vous ai présentée en premier, qui est le résultat social, c'est une spécificité française, à la limite. Vous voyez, c'était attaquable du point de vue scientifique. Par contre, là, dans la mesure où cette loi, il l'a vérifiée pour les grands pays dont il parle, c'est-à-dire que dans l'ouvrage sont traités la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, c'est une fois que vous avez démontré que les mêmes résultats sont vérifiés, à des degrés divers, avec des périodicités qui peuvent être variables, vous pouvez dire que c'est une loi fondamentale. Sinon, vous voyez, il y aurait une possibilité de l'attaquer sur ce terrain-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai eu l'allusion tout à l'heure dans l'introduction, c'est que les analyses de Piketty sont complétées par des éléments du contexte économique, économico-social, propre à chacune des périodes qu'il va identifier. Et ça, c'est la remarque une remarque de méthode sur laquelle j'insiste, c'est que l'économie peut apporter un éclairage sur la compréhension de notre monde, du monde du 19e siècle, mais je crois qu'elle ne peut pas le faire seule. Et vous allez le voir tout au long, là. Si on n'a pas en arrière-plan, ouais, là, vous avez des graphiques, vous allez voir des graphiques. Si on n'a pas en arrière-plan sur chacune des périodes l'histoire, le contexte propre à chacun des pays, on a beaucoup de mal à interpréter les courbes. Et c'est ça l'intérêt, c'est à partir de ces courbes, de renvoyer à l'histoire, notamment, et il puise beaucoup dans l'histoire, et moi j'ai complété d'ailleurs sur ce plan-là, sans rien bien sûr toucher au résultat, mais juste j'ai complété les analyses de Piketty pour donner cet éclairage historique qui permet la compréhension des courbes. Donc, si vous voulez, il est dans une démarche qui est totalement ouverte aux autres domaines des sciences. Il ne dit pas, voilà, moi j'ai trouvé avec mes trucs, je ne veux pas voir ce qui se fait en économie, en histoire, en sociaux, etc., au contraire. Donc ça, c'est une démarche qui est, et qui clive aujourd'hui complètement le monde des économistes. Aujourd'hui, c'est totalement clivant, puisqu'il y a une partie des économistes qui refuse totalement le concours des autres sciences humaines, qui est sur l'idée, nous, on a une démarche scientifique, on a modélisé les comportements, et donc on fait de la science, les autres, vous faites du... Voilà, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous ne faites pas de la science. Donc ça, c'est aujourd'hui, vous entendez vaguement parler de ces questions-là, ça fait partie vraiment des divergences qu'il y a au sein de du monde des économistes, ceux qui font appel ou pas aux autres sciences humaines. Et donc, alors,
moi, dans la présentation que je vais faire au cours de ces trois séances, je me suis consacré à la France. Et je ferai de temps en temps des références aux États-Unis, mais vous voyez que si je voulais vous présenter l'Allemagne, le Royaume-Uni, c'est... Dans la mesure où ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans la mesure où ce qu'il démontre pour la France est démontré aussi pour le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis, je veux dire, je me sens totalement libéré de parler, de me consacrer uniquement à la France et en même temps, dans les différentes périodes que je vais présenter, qui sont retenues par Piketty lui-même, eh bien, ça nous permettra en même temps de faire écho à des éléments de notre histoire nationale que nous avons quand même quelque part dans notre tête. Voilà. Donc ça c'est. Donc je vais ben là, je vais rentrer, commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous avais dit qu'il y avait 5 sections. Je vais commencer par la première, hein. Ce que Piketty appelle le patrimoine roi. Situation prédominante en régime capitaliste, c'est-à-dire ce qu'il veut dire par là, c'est que la tendance de fond du système économique, c'est apporter le patrimoine à un niveau élevé. C'est cette tendance de fond, c'est-à-dire que le rapport entre K et le revenu national, sa tendance de fond, c'est d'augmenter. Donc c'est pour ça qu'il parle de patrimoine roi, situation prédominante en régime capitaliste. Donc, sur très long terme, depuis 1700, le patrimoine total est en moyenne égal à 5 fois le revenu national. Donc le stock de capital. Mais en même temps, ce rapport, on va le voir, varie. Il varie au cours du temps. Et donc, il y a plusieurs périodes historiques qu'on va distinguer. Et notamment, il y a deux périodes très intéressantes, celle qu'on appelle la Belle Époque, donc juste avant la guerre de 14, où ce ratio est nettement supérieur à 5. Celui qu'on a appelé les 30 Glorieuses, donc entre 45 et 75, où il est nettement inférieur à 5. Donc ça, vous voyez, ça ne manquera pas de nous interroger, bien sûr. Alors, cette prédominance du patrimoine roi, c'est-à-dire la prédominance du rapport K sur RN, elle est expliquée dans l'ouvrage de Piketty à travers trois analyses convergentes. D'abord, les témoignages littéraires. Et ça aussi, moi je trouve, c'est en ça que Piketty nous plaît aussi. Parce que non seulement il cliffe pas l'économie, je vous ai dit tout à l'heure, il fait appel à l'histoire, il fait appel à la socio, etc. Mais en même temps, il ne se prive pas de faire appel aux témoignages littéraires. Parce qu'il dit, avec le recul du temps, les témoignages littéraires illustrent très bien un certain nombre de phénomènes que je vais essayer d'expliquer. Et là, notamment, dans cet ouvrage, il fait référence au père Goriot et de Balzac et au livre de Proust du côté de chez Swann. Alors, le père Goriot, vous avez au moins tous entendu un petit peu parler, je ne sais pas si vous vous souvenez vaguement de l'histoire. Le père Goriot, c'est un entrepreneur, je vais très vite, rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter le truc, mais c'est pour un petit rappel, un entrepreneur qui a fait fortune dans l'activité de pâtes, de marchand de grains, tout ça. Il a prospéré et il a vendu ses parts, son affaire, et il a tout réinvesti dans des titres de rente. Qui sont des placements qui sont très, très sûrs. Et c'est ce capital qui va lui permettre à la fois de marier ses filles dans la meilleure société parisienne de l'époque, et de conserver pour lui-même une rente qui va lui permettre de vivre. Donc ça, c'est un premier élément qui frappe Piketty, qui dit beaucoup de choses, c'est-à-dire c'est la transformation des revenus du capital en capital accumulé, puis en rente.
qui permet à la fois donc, de marier ses filles et donc d'en faire des mariés dans l'aristocratie de l'époque. En même temps, vous savez que la situation financière du père Goriot, parce qu'il est tellement amoureux de ses filles qu'il n'arrête pas de leur faire des cadeaux, etc., et qu'elles sont, au fur et à mesure qu'il leur fait des cadeaux, elles sont de moins en moins enclines à recevoir son amour paternel. Et donc, il va finir par s'appauvrir, il va passer donc d'un logement qui lui est propre, dans un beau quartier de Paris, à une pension. Et dans la pension, il y a un tas de personnages qu'il rencontre, et il y a notamment Vautrin et Rastignac. Hein, Vautrin qui est un filou, et Rastignac qui est le jeune arriviste. Et ça aussi, ça frappe Piketty, parce que Vautrin, il explique dans les discussions, la pension, le soir, il explique à Rastignac qu'il est bien plus avantageux dans la société française de l'époque, hein, d'épouser une héritière fortunée que d'exercer l'activité la mieux rémunérée qui soit. Voilà. Donc il lui dit, si tu veux vraiment avoir une belle vie, épouse, te casse pas la tête à trouver un boulot, mais épouse une riche héritière fortunée. Voilà, c'est cette peinture du milieu de l'époque. Donc, si je reviens au père Goriot, c'est ce que Piketty retient finalement du père Goriot à travers le petit rappel que je viens de vous faire, c'est premièrement, les revenus de l'activité d'entrepreneur sont épargnés et donnent naissance au capital. C'est comme ça que le capital grossit. Ça, c'est le premier point, sous forme d'abord capital, sous forme de biens matériels, l'usine du père Goriot, puis après sous forme de rente. Qui vont lui rapporter de l'argent. Et le deuxième point que relève Piketty, c'est que l'accumulation du capital est source de revenus bien supérieurs à ceux l'activité, d'une activité normale. Voilà. Donc ça, c'est ce qui... Donc voilà, il dit la littérature a un pouvoir évocateur considérable des événements qui se passent dans la société. Elle dit beaucoup de choses. On pourrait tout à fait faire le plan, et aujourd'hui, on pourrait dire beaucoup à travers le cinéma, par exemple. Et le deuxième ouvrage qu'il cite, c'est Du côté de chez Swann, le fameux premier... le premier élément de La recherche du temps perdu de Proust, hein, donc qui paraît en 1913, et à cette époque-là, il dit Proust, il dépeint très bien, il situe bien son roman dans un univers qui est l'univers de rentiers, largement oisifs. Tous les gens qui circulent, que Proust dépeint, sont soit des gens de l'aristocratie, soit de la grande bourgeoisie, qui essayent d'intégrer l'aristocratie, mais c'est un univers de gens qui vivent de rente, en gros. Ce qui est intéressant, c'est de voir que à cette époque-là, donc on est à la belle époque, là, juste avant la guerre, les rentes d'État, donc qui produisent ce revenu permanent, hein, supérieur encore une fois au taux de croissance de l'économie, etc., cette rente d'État semble aussi indestructible que l'hôtel de Cabourg où Freud vient passer ses étés. Où Proust vient passer ses étés. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Voyez-vous, ça c'est quelque chose qui est un peu surprenant, mais qui est totalement agréable, avant des démonstrations beaucoup plus ardues, c'est de nous dire, l'art, la littérature en particulier, nous dit beaucoup de choses sur les phénomènes que nous analysons. Voilà. Je vous ai dit, cette prédominance du... Rappelez-vous, hein, le thème, c'est toujours de montrer la prédominance, la tendance de fond du système à aller vers une prédominance du rapport entre
le stock de capital et le revenu national. Donc la première analyse qu'il montre dans cette direction-là, c'est la mise sur la table d'un certain nombre d'éléments tirés de grandes œuvres littéraires. Le deuxième élément qu'il cite à l'appui de sa démonstration, c'est l'examen sur longue période du taux de rendement du capital et du taux de croissance de l'économie. Donc, je vous l'ai mis ici, le taux de rendement du capital, simplement, c'est le rapport entre les intérêts du capital, les intérêts des dividendes, qu'il appelle RK, et le capital lui-même. C'est ce que rapporte un capital. Et puis, le taux de croissance de l'économie, c'est la différence entre le revenu national de l'année N par rapport, entre le revenu national de l'année N et celui de l'année N-1 rapporté au montant du revenu national. Donc c'est des choses très, 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 très basiques. Donc il compare sur longue période, il examine comment évolue le taux de rendement du capital et le taux de croissance de l'économie donc depuis 1700. Et ce qu'il montre, ce qui lui apparaît, et donc ça c'est vraiment très impressionnant parce que la plupart des études jusque-là, elle remontait à des périodes très... on remontait à la guerre, en gros, à la Deuxième Guerre, quelquefois un tout petit peu avant, mais guerre plus loin, là, il remonte à 1700. Et donc, depuis 1700, ce que l'examen de ces deux taux nous montre, pour toutes les sociétés qui sont examinées par Piketty, c'est qu'en dehors de la période des Trente Glorieuses, R, donc le taux de rendement du capital, a oscillé entre 3, selon les périodes, entre 3 et 6% par an, alors que G, qui est le taux de croissance de l'économie, donc R et G, il faut que vous l'ayez en tête, parce que ça va, c'est que ces deux éléments-là qui vont jouer, hein, alors que G a toujours été inférieur à 3%, sauf, on le verra, dans la période, par moment, dans la période des Trente Glorieuses. Et donc ça, le fait que R, depuis 1700, donc sur longue période, soit supérieur à G, il y a deux conséquences. La première, c'est que ça pousse, bien sûr, vous le voyez tout de suite, à la hausse du rapport entre K et RN, puisque le rendement du capital, il est supérieur au taux de croissance de l'économie, donc ça... Ces intérêts, en quelque sorte, se transforment en capital, donc font grossir le capital. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième, c'est que le fait que R soit supérieur à G sur longue période, ça accroît la part des revenus du capital dans le revenu national, par rapport aux autres revenus, notamment les revenus salariaux. Et donc, il dit... J'ai réutilisé ces termes. Cette situation-là, la deuxième dont je parle, là, c'est-à-dire le fait que R soit supérieur à G et que ça donc que les revenus du capital, là je parle du revenu, pas du stock, hein, les revenus du capital croissent plus vite que ceux du salaire, eh bien, c'est la source des inégalités. Et c'est ce qu'il appelle, lui, c'est une force de divergence. Je l'ai mis entre guillemets parce que c'est son terme, c'est une force de divergence dans la répartition des richesses entre les différentes catégories de ménages. Donc, encore une fois, là on est toujours dans la première section. Piketty cherche à dégager la loi fondamentale. Hein, la loi fondamentale qui est de montrer que sur longue période, le rapport K sur RN tend à s'élever. Hein? Et donc, il met à contribution les témoignages littéraires, il met à contribution l'examen des deux taux R et G dont je viens de parler, et le troisième élément qu'il amène à l'appui de sa démonstration, c'est la fameuse courbe. Donc, c'est la courbe supérieure. C'est la courbe K sur RN. Là, vous avez toutes les années depuis 1700. Et vous avez ici l'évolution du ratio
entre K, donc le stock de capital et le revenu national, sur très longue période. Donc c'est une courbe qui est en forme, disons, de U, vaguement. C'est une courbe en forme de U et qui fait tout de suite apparaître, vous voyez, jusqu'à 1910, un rapport, voilà, jusqu'en 1910, vous prenez la courbe supérieure, vous avez un rapport qui est entre K et RN qui est de niveau 7. Hein, donc vous voyez, et vous remarquez tout de suite en regardant ce graphique, qu'il y a une période, cette période qui va être dans les années entre 1920 et 1980 à peu près, où ce ratio va être beaucoup plus faible. Hein, donc il va descendre à 3, 4, etc. Donc vous voyez, on voit déjà se dégager à l'examen de ce simple graphique des périodes différentes, et on voit que depuis notamment les années 80-90, ce ratio de nouveau tend à monter très fortement. Et donc, vous avez bien sûr sous différents coloris les différentes composantes du stock de capital, hein, c'est-à-dire la terre, l'immobilier, le capital commercial ou industriel, et puis le capital étranger, c'est-à-dire le capital qui est investi à l'étranger. On va voir que ça a son importance. Vous voyez déjà une période très significative du point de vue de ce capital à l'étranger, entre en gros 1820 et 1910. Hein, 1910-1920. On va en reparler. Donc, le premier point, donc la section 1, celle dont je viens de vous parler, c'est illustrer sur longue période, et ça, les courbes en U, elles sont quasiment identiques quand vous regardez le Royaume-Uni et l'Allemagne. Un peu différentes pour les États-Unis, parce que les États-Unis, à la différence des pays d'Europe de l'Ouest, se sont constitués en société beaucoup plus tardivement. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien, Bernard, puisque tu termines la section 1, ouais, si on laisse un tour de parole, ah, si pour ceux qui ont besoin de mieux comprendre. Il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Oui, moi je me demandais d'où venait la dégringolade. Ça ne colle pas exactement avec les guerres. Un peu. C'est le crack boursier, si, n'en aime pas. Enfin, on va voir ça. Ben non, ça coïncide beaucoup avec la guerre. Mais ça, je vais y venir dans la deuxième période, puisque je vais distinguer les périodes. D'accord. Là, je voulais simplement, parce que c'est comme ça, j'épouse un peu la démarche de Piketty, je trouve qu'elle est intéressante. En gros, vous allez voir, la démarche de Piketty, c'est de dire, la tendance de fond, c'est à maintenir un stock élevé, voire croissant, du rapport entre le capital et le revenu national sur longue période. Bien, pour les raisons, parce que, en gros, le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance de l'économie. Bien. Ça, c'est la section, c'est la tendance de fond qu'il dégage. Mais, et vous le voyez tout de suite sur le graphique, il y a des à-coups, il y a des accros. Et pourquoi ? Ben parce que il y a des événements qui se produisent. Il y a des crises, il y a des guerres, il y a des politiques, on va le voir pendant les Trente Glorieuses, des politiques économiques différentes. Et donc tout ça, forcément, si la tendance fondamentale, attends, je te donne la parole, si la tendance fondamentale, c'était R supérieur à G, vous voyez bien, ça serait, on n'aurait pas une courbe en U, on aurait une courbe qui serait indéfiniment croissante. Mais non. Non, parce qu'il y a des accidents de l'histoire. Des accidents qui sont provoqués, bon, entre autres, par les guerres, les crises, et puis aussi des politiques qui sont menées différentes, on le verra, notamment pour les temps. Donc, la deuxième section, c'est de dire, bon, maintenant qu'on a vu la tendance fondamentale, parce que sur longue période, quand il n'y a pas d'accident, R est toujours, quasiment toujours supérieur à G. Voilà, ça, c'est la tendance fondamentale. Donc, ça amène à une élévation du stock de capital. Mais, il y a des tas d'événements qui se produisent. Et c'est ces événements qu'il va falloir expliquer, qui va nous permettre, et on va les expliquer en dégageant des sous-périodes. C'est ce que je vais faire à la suite de Piketty, dans la section 2. Et puis,
il y aura une espèce de section 3, et après je te donne la parole, il y aura une section 3 où il dira, même en ayant dégagé, parce que ce qu'on va faire, après on va regarder sur différentes périodes les rapports entre R et G. Et même en ayant fait ça, Piketty, il n'est pas encore content, il dit, il faut affiner encore, parce que ça n'explique pas totalement. Et donc il va au charbon, hein. il va pour dire, il faut qu'on décortique pourquoi, à certains moments, même la comparaison fine entre R et G à travers sous-périodes, ça n'explique pas tout. Donc voilà, je suis vrai, c'était trois moments de la démarche. Oui. Vous avez l'air d'insister sur les revenus extérieurs. J'aimerais que tu donnes des exemples de ce que sont les revenus extérieurs à une nation. Et deux, pour la France, si le différentiel entre les revenus des étrangers et les revenus des Français à l'étranger, enfin du capital, est positif ou négatif. Pour avoir une compréhension, parce que tu as l'air de dire que c'est significatif. Oui, c'est significatif. Alors, là, dans la courbe, là, c'est le... on va en reparler, hein, donc, mais bon, je peux le dire quand même en anticipation. Ce décrochage-là qu'on voit se constituer en gros à partir de 1810 et puis 1810-1820 et puis la fin et la première guerre, en gros, c'est les investissements français dans les colonies, voilà, hein, c'est toutes les conquêtes coloniales, plus la Russie. La France est un très gros investisseur, rappelez-vous les emprunts russes. La France est un... Donc, si vous voulez, c'est l'empire colonial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la même chose en plus fort au Royaume-Uni. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, il y a aussi... Vous avez ce décrochage avec la place du capital investi à l'étranger. Vous avez l'empire colonial qui est encore plus important que celui de la France. Et l'investissement du Royaume-Uni dans ce qu'on appelle les pays émergents de l'époque... Pour la France, le pays émergent chouchou, c'est la Russie, hein, puisqu'elle, c'est la France qui contribue à constituer les bases de l'économie industrielle en Russie pré-bolchévique. Et pour le Royaume-Uni, cet investissement dans les pays émergents, c'est les États-Unis et le Canada, c'est-à-dire ces anciennes colonies qui décrochent très vite. Donc vous avez le même phénomène au Royaume-Uni, mais plus amplifié. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, j'arrive à la deuxième, à la section 2, les fluctuations des situations patrimoniales depuis 1700. Donc là, on va rentrer, si vous voulez, dans un, toujours avec ce graphique. Hein. Pour l'instant, c'est celui-là. Après, il faut essayer de dire ce qu'il y a derrière. Donc, là, ce que nous dit Piketty, c'est que la dynamique de cas, la dynamique du capital, elle peut être bouleversée par toute une série d'événements. Des chocs extérieurs, les guerres, les évolutions du système économique, les crises, les bouleversements sociaux, hein, mai 68 par exemple, les politiques économiques, et notamment, on va voir tout le rôle... Et là, on le voit avec le recul maintenant du temps, le rôle des politiques économiques pendant les Trente Glorieuses. Et voilà. Et donc ça modifie le paysage. C'est pour ça qu'il y a une loi fondamentale, mais cette loi, elle peut être perturbée. C'est normal, on est des êtres humains, donc heureusement d'ailleurs. Et que de temps en temps, on peut perturber et faire changer un peu le cours des choses, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va très vite voir que la période des Trente Glorieuses s'achevant, et donc la mondialisation financière, la révolution néolibérale arrivant dans les années 80, la tendance de fond va repartir très très vite. C'est pour ça qu'il dit l'évolution de K sur RN, de ce ratio-là, ne peut se réduire à la seule référence de la loi générale R supérieur à G. Ça, c'est la loi générale, mais on ne peut pas s'en contenter là, parce que sinon, on n'explique pas l'allure de la courbe en U. Vous voyez ? On aurait une courbe croissante si s'il y avait une tendance générale et qu'on était tous des robots, donc hop, les choses se perpétueraient, etc.
Donc, on va distinguer des périodes. Et vous voyez, c'est ça, la démarche ouverte dont je parlais Piketty tout à l'heure, c'est que, et là, si je n'ai pas l'histoire à mon secours, je n'interprète pas, là. Il faut que je me replonge dans chacune des sociétés nationales pour aller au cœur de l'interprétation. Donc, on va distinguer les différents paragraphes, c'est les différentes périodes que distingue Piketty. Alors, on va les reprendre. Donc, si on est dans les années 1700-1800, on voit que en Europe, et vous avez le même constat en Allemagne et au Royaume-Uni, le rapport K sur RN, il est égal à 7 entre 1700 et 1910. Il est très élevé, hein, puisqu'il n'a pas été... On va bientôt le rejoindre si on ne fait rien. Si nous ne faisons rien, on va le rejoindre. Hein. Ce ratio est très élevé. Avant le 19e siècle, et ça c'est bon, c'est ces études qui le montrent, en gros, avant le 19e siècle, la rente financière, elle rapporte en gros de 4-5% en moyenne par an. Et le taux de croissance de l'économie, il est inférieur à 1% sur cette période 1700-1800, hein, de deux siècles. Donc, on le voit après quand on regarde les différentes composantes du capital, l'agriculture, qui était archi-dominante au départ, reste prédominante. Donc les terres représentent une part très importante de la richesse, mais vous le voyez, cette part de la richesse, elle est décroissante. Elle est décroissante avec, alors au 17e, 18e, c'est déjà le développement du capitalisme commercial, hein, puisque vous avez 17e, 18e, c'est l'ouverture des grandes routes commerciales, aussi bien du côté de l'Asie que du côté de l'Amérique. Hein. Et donc, si vous voulez, progressivement, on va le voir, il y a un déplacement du capital de la terre, qui va donc rapporter de moins en moins, vers le capital commercial. Dans un premier temps, 17e, 18e, c'est le déplacement du capital grâce à l'ouverture de ces routes, de grandes routes maritimes, de ces créations de compagnies maritimes, donc vers le capital commercial. Et quand il examine le 19e siècle, il y a non seulement le capital commercial qui est l'objet d'investissement, mais aussi le capital industriel après. Oui, capital industriel, donc en gros, pour vous situer, la révolution industrielle, c'est la fin du 18e siècle, avec la fameuse machine à vapeur de Watt, 1783, je crois. C'est au Royaume-Uni que ça démarre, hein, c'est une date un peu symbolique, la machine à vapeur de Watt en 1783, je crois. Pour la France, en gros, c'est le milieu du 19e siècle, donc le capital commercial puis industriel vont prendre le relais, on le voit un peu dans les composantes du capital, et vous avez aussi, ce que je signalais tout à l'heure, comme relais, c'est l'investissement dans les pays émergents. Donc le capital qu'il appelle étranger net, ça veut dire que le capital investi par la France à l'étranger est supérieur à celui qui est investi en France par l'étranger. Ce qui est intéressant, alors là, quand on regarde les différentes composantes entre le 17e et le 19e siècle, c'est de voir progressivement le glissement du capital de la terre vers le commerce, l'industrie et les pays coloniaux ou émergents. Donc, je vous le disais tout à l'heure, avant le 19e siècle, la rente foncière, c'est 4-5%, et j'ai inférieur à 1%. Donc, vous voyez l'écart. Au 19e siècle, le R reste supérieur à 3%. Il est nettement supérieur à G. La croissance s'est un peu accentuée.
mais elle est entre 1 et 1,5%. Donc R reste supérieur à G, mais moins. Donc K sur N reste à un niveau élevé. Alors ce niveau, faut bien voir aussi, ce niveau élevé de K sur N, là, qui est égal à 7, hein, sur toute cette période avant, jusqu'à la guerre de 14, il correspond à une prédominance dans les sociétés réelles, à une prédominance de l'héritage sur le travail. Et là, on retrouve tout le fameux discours de Vautrin à Rastignac. Hein, c'est-à-dire, le travail et les études ne permettent pas d'atteindre la même aisance que l'héritage. Voilà. Et donc, on voit en 1860, quand on regarde dans le détail des cours, il y a une tonne de graphiques, hein, j'ai pris les plus significatifs. En 1860, en France, la part des revenus du capital dans le revenu national est à un niveau qui ne sera jamais plus atteint. C'est 40%. C'est-à-dire la part des revenus du capital, c'est-à-dire les intérêts, les dividendes, c'est 40% du revenu national. Forcément, puisque au fil du temps, le taux de rendement est toujours supérieur au taux de croissance de l'économie. Donc, forcément, l'héritage, les rentes, etc., ne font que prospérer. Et donc, ça atteint ce chiffre. Aujourd'hui, on est à près de 30% quand même. Hein. On a beaucoup descendu, mais on remonte. Hein. Donc, en 1860, c'est là où les revenus du capital ont atteint le plus haut niveau dans le revenu national en France, c'est 40%. Et alors, il faut ajouter un deuxième élément, quand même, pour vous expliquer pourquoi ces revenus du capital, cette inégalité va croissant, c'est qu'aussi, par rapport aux rentes, donc il y a les revenus du capital et les revenus du travail, il n'y en a que deux hein, dans la société, donc pourquoi ils montent jusqu'en 1960 à ce niveau aussi élevé, bien, et ça aussi c'est très intéressant quand on resitue dans l'histoire, c'est que, et on va le retrouver à toutes les périodes historiques, c'est que le rapport de force est très défavorable aux salariés. Rappelons-nous, dans notre histoire, le droit de grève en France, c'est 1864, et encore, c'est un droit de grève, disons, partiel, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance des syndicats. Hein, le droit syndical, l'autorisation syndicale, c'est 1884. Donc, vous voyez, c'est aussi pour ça. L'héritage prend le pas sur les revenus du travail, d'autant plus facilement que, ben, en face, il n'y a pas d'opposition de résistance. Voilà. Et ça, c'est un élément clé dans la distinction des périodes. On va voir notamment pendant les Trente Glorieuses, dans une conjoncture particulière de l'histoire de la France, mais aussi des sociétés occidentales, comment justement ce rapport de force jouera dans un sens différent. Donc voilà, hein, rappelons-nous, là je donne ce rapport, donc 1864, faut s'en rappeler, ça c'est quelques points quand même intéressants, c'est le droit de grève en France, autorisation des syndicats 1884, reconnaissance des accidents du travail 1898. Hein? Donc voilà, à partir de ces quelques éléments, vous comprenez pourquoi les revenus de l'héritage peuvent prospérer sans qu'il y en face le revenu salarial arrive à empêcher la tendance dominante de s'imposer. Donc ça, c'est la première période jusqu'à 1914. Après, il y a ce qu'il appelle le choc des guerres, donc les deux guerres mondiales, l'après-guerre 14, la crise de 29, et en face de ces éléments-là, le choc des guerres, l'après-guerre 14 et la crise de 29, ben, la chute de K, la chute du capital. La chute du capital, donc, entre 1910 et 1950, la chute du capital, elle est continue. Alors, d'abord, il y a la période des deux guerres et des immédiats après-guerre. La période des guerres, c'est une destruction physique du capital. Et notamment, encore plus, dans la guerre de 14, qui a duré 4 ans, alors que la guerre de 39-45, elle a duré un an, en fait, hein, du point de vue des bombardements, enfin, tout ce que vous... ce qu'on imagine dans les guerres. Donc,
destruction physique de capital, et les immédiates après-guerre, c'est l'inflation forte. Et l'inflation, c'est une forme d'anéantissement de la valeur réelle du capital. Or, après chacune des guerres, on a des taux d'inflation qui dépassent 20%. En France, mais pas qu'en France. Hein. Donc, vous avez ces périodes des deux guerres et des immédiats après-guerre sont des périodes de destruction, ou physique, ou financière du capital, et en même temps qu'on a, depuis le début, une tendance de fond qui n'est pas spécialement perturbée par les guerres, qui est à l'effondrement de la valeur des terres. Plus personne, à partir d'un certain moment, plus personne investit dans la terre. Il y a d'autres occasions, donc vous voyez cette courbe régulièrement déclinante du capital terre. Alors, donc il y a ces destructions. Vous voyez ça. Donc voilà, une des premières explications pourquoi le rapport il s'effondre, ben, il y a des destructions de capital, destruction physique ou destruction financière par l'inflation. Et vous avez alors la période de l'entre-deux-guerres, qui est une période extrêmement confuse, puisque j'ai mis alors les principaux traits. Repli national, après la suite de la Première Guerre, crise mondiale de 1929, quand même une crise extrêmement, extrêmement forte, politique autarcique, c'est-à-dire de repli sur soi de l'Allemagne et de l'Italie. Vous comprenez, vous voyez bien, l'Italie mussolinienne, l'Allemagne hitlérienne à partir de 1933. Donc, cette période-là, sur le plan économique, c'est succession de dévaluations. Donc, la livre dévalue en 1931, le dollar en 1933, le franc en 1936. Donc, vous voyez, la dévaluation, c'est une forme de guerre économique. C'est-à-dire que chacun essaye de prendre un avantage sur le voisin en dévaluant sa monnaie. Donc c'est une espèce de guerre sans fin. Aujourd'hui, on a ça avec la fiscalité. Chaque pays diminue le taux. Hein, et là, on voit Trump, il veut diviser par deux le taux de l'imposition sur les sociétés. L'Angleterre, ils veulent le diminuer de 5 points. Et voilà, la France l'a diminué. Donc on est une course à l'échalote à la baisse. Ça, c'est l'espèce, c'est le genre de situation où tout le monde, à la fin, est perdant. Hein. Et donc, c'est ça qui se joue dans l'entre-deux-guerres. Il y a les dévaluations. Il y a la restriction des échanges, alors toujours pareil, chacun essaye, augmente ses droits de douane pour refuser les importations, mais les autres font la même chose. Enfin voilà, on est dans cette période-là, donc des chutes de production liées à la crise de 1929. Donc tous ces facteurs-là contribuent à créer une forte incertitude économique, et ils pèsent à la fois sur le taux de rendement du capital, parce que l'incertitude, c'est jamais favorable à l'investissement, et sur le taux de croissance de l'économie, mais même si, dans cette période-là, R demeure toujours supérieur à G, mais il demeure, les deux sont assez faibles, et l'écart est pas très fort. Donc c'est des freins. Si R n'est pas beaucoup supérieur à G, eh bien c'est une frein à la remontée de K. Hein, voilà. Donc cette période des guerres et de l'entre-deux-guerres, c'est à la fois des destructions physiques et financières du capital, physiques par les guerres, financières par l'inflation, et c'est des périodes de l'entre-deux-guerres d'incertitude, de grosse incertitude, donc où chacun essaye de tirer la couverture à soi, d'évaluation, droit de douane, etc., et donc qui sont très peu favorables, période d'incertitude, à une remontée forte des taux de rendement et donc du capital. Ça, c'est la deuxième période que distingue Piketty. Troisième période, la persistance d'un capital de niveau faible par rapport, quand il dit de niveau faible, je l'ai mis entre guillemets, c'est toujours pareil, par rapport à l'ensemble de la période historique qui est couverte depuis 1700, mais qui commence à réaugmenter au cours des Trente Glorieuses. Donc, au cours des Trente Glorieuses, on voit une élévation lente entre 1950 et 1975, du ratio, hein, vous le suivez, mais en 75, K sur RN, le rapport, est encore inférieur à 4. Alors, les facteurs favorables à la remontée, pourquoi le ratio recommence à augmenter dans cette période-là? Donc, il identifie des facteurs favorables à la remontée de K. D'abord,
Pourquoi tu rigoles? Il est né cette année-là. D'accord. D'accord. Donc les facteurs favorables à la remontée de cas, c'est au début des années 50, c'est la fin de l'inflation à deux chiffres. Si vous vous souvenez, dans l'histoire, c'est la fameuse baisse Pinet. Pinet, c'est le chef du gouvernement juste en 1950 ou 51. Donc c'est la fin de la... On avait une inflation à deux chiffres hein, jusqu'au en France et au Royaume-Uni aussi. N'en parlons pas en Allemagne. Dans l'immédiat après-guerre. Et à partir... C'est la fin de l'inflation à deux chiffres, donc c'est la fin de l'effondrement financier du capital. Donc là, à partir de là, si vous voulez, de nouveau, la valeur réelle du capital va pouvoir réaugmenter. Et puis, on l'expliquera un peu plus loin, c'est aussi pourquoi un autre facteur favorable au développement de cas, vous voyez commencer à émerger, c'est l'accession à la propriété du logement. Et ça, c'est un phénomène historique considérable qui est observé dans toutes les sociétés occidentales. Et c'est l'émergence, en gros, d'une classe moyenne, patrimoniale. Ce qui n'existait pas du tout dans les autres périodes historiques. On verra le pourquoi tout à l'heure. Ça a à voir avec les politiques économiques qui sont menées, bien sûr, dans cette période-là. Donc, on a une élévation lente de cas. Hein, vous voyez, c'est pas... car il y a un faible écart, rappelez-vous toujours la loi fondamentale, entre R et G. On a un faible écart, voire, dans cette période-là, un écart négatif. C'est-à-dire que la seule fois dans l'histoire où G a été le taux de croissance de l'économie, donc des revenus salariaux, a été supérieur au taux de rendement du capital, c'est cette période-là, par moment. Donc c'est archi-spécifique. Donc, j'ai atteint des niveaux exceptionnels qui dépassent donc parfois 3-4%. Rappelez-vous, la France hein, a atteint même 5% de taux de croissance de l'économie. Alors que R, le taux de rendement, et je vais l'expliquer après, pourquoi cette divergence entre G et R, cette divergence dans cette période-là, R est plutôt dans la fourchette basse. J'ai dit qu'au cours de la longue période historique, R était entre 3 et 6%. Là, il est plutôt près de 3%. Et donc, de temps en temps, même assez souvent, G dépasse R dans cette période. Alors, pourquoi? Eh bien, là, il y a la forte croissance de G, d'abord. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Hein. Je les cite plutôt comme point de repère que vous voyez, mais encore une fois, vous voyez qu'on ne comprend rien à ces courbes si on n'a pas ces éléments-là de recul historique. C'est la diffusion rapide du mode de vie des États-Unis, c'est-à-dire la consommation de masse, et qui est favorisée par la politique de crédit. C'est une politique d'encadrement du crédit ces années-là, par la hausse des salaires. Et quand je dis hausse des salaires, c'est à la fois le salaire direct et indirect. Rappelons-nous, grande date, 1946, création de la sécurité sociale, qui garantit une évolution régulière et stabilisée des revenus. Avant, vous aviez de temps en temps des périodes de hausse de salaire, mais qui étaient remises en cause, alors que là, vous avez un stabilisateur économique fondamental, c'est-à-dire que les besoins couverts par la sécurité sociale sont permanents, amortissent tous les chocs. Donc, il y a une hausse des salaires, directe et indirecte, avec cette avancée phénoménale, quand on le voit dans toute l'histoire, là, qu'est la sécurité sociale. Pourquoi, en même temps, vous avez, ça permettra de comprendre, pourquoi vous avez cette hausse des salaires directs et indirects, création de sécurité sociale, et puis aussi une augmentation des salaires, puisque je vous ai dit que G était supérieur à R, et donc ça veut dire que, quelque part, si G, le taux de croissance de l'économie, est supérieur au taux de rendement du capital, c'est que la consommation, elle alimente le taux de croissance de l'économie. Donc ça veut dire que les salaires augmentent. C'est parce que, aussi, vous êtes dans un rapport de force favorable. Il n'y a pas de chômage de masse. C'est une période de plein emploi. Et on va le voir que la période suivante, tout va basculer. Donc, forte aussi croissance de l'investissement public, il y a l'effort de reconstruction, il y a
Les banques, rappelez-vous quand même cette période-là, la plupart des banques, sauf les banques d'affaires, sont nationalisées. Donc ça, c'est les facteurs explicatifs de la forte croissance de G. Et puis après, vous avez de l'autre côté la progression modérée de R. Pourquoi la progression modérée de R aussi? Eh bien, on est dans une logique de réinvestissement des profits. Alors, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que à cette époque-là, et contrairement à ce qu'on a depuis les années 80, où c'est la logique financière qui l'emporte, et donc une logique financière de court terme, là, si vous voulez, les détenteurs de capital investissent, c'est des grandes familles, prenez le cas de Peugeot, Michelin, etc., ils ont un projet. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ont un projet industriel qui est sur le long terme. Donc, ils recourent largement à l'autofinancement. Et je veux dire que les mesures qui sont prises à l'époque les encouragent dans cette direction. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque aussi, et vous l'avez dans tous les pays occidentaux, vous avez une forte progressivité de l'impôt sur le capital. Voilà. Et donc, vous êtes d'autant plus encouragé à investir les sommes qui sont tirées du profit que si vous ne les investissez pas, le taux d'imposition va être rédhibitoire. Voilà. Et puis, vous avez un dernier facteur, l'encadrement du crédit, qui limite la hausse des taux d'intérêt et qui va permettre, conjugué à la hausse des salaires, l'accession à la propriété, c'est ce qu'on appelle... Ça commence dans cette période-là. L'accession à la propriété des classes moyennes commence dans la période des Trente Glorieuses, c'est-à-dire la constitution d'une classe moyenne patrimoniale. Donc, troisième période, c'est cette période des Trente Glorieuses. Quatrième période, le retour du capital dans les années 80. Donc, vous avez, à compter des années 80-90, une accélération de la remontée du capital et, de nouveau, le ratio K sur RN devient supérieur à 5 et il est aujourd'hui, en France, égal à 6. Donc, là aussi, on va comparer pourquoi. Donc, les facteurs qui expliquent pourquoi G devient plus faible et pourquoi R augmente. C'est toujours... Vous voyez, on est toujours... À part quand il y a les guerres et des destructions physiques, etc. Sinon, on est dans ce rapport entre R et G. Et dans les... Vous avez vu que dans les Trente Glorieuses, G, pour des raisons particulières de politique économique, de rapport de force, devient supérieur à R. Par contre, là, on va revenir, depuis les années 80-90, à un moment où G redevient inférieur à R, et nettement. Donc, vous avez l'affaiblissement de G, c'est-à-dire du taux de croissance de l'économie, c'est la fin de la diffusion de la consommation de masse. Une fois qu'on a, les autos, les réfrigérateurs, les machines à laver, les télévisions. Voilà, à la fin des années 75, les ménages sont équipés, donc on est dans le renouvellement. Mais c'est bon, c'est pas le seul facteur. Et R, on va voir, R tend à s'élever, lui, donc à reprendre le dessus par rapport à G, par différenciation à l'intérieur des taux de rendement. En gros, vous avez le taux de rendement pour le commun des mortels. Ça, c'est le livret d'épargne à la poste, l'assurance vie, etc. Et puis, vous avez les placements financiers qui sont accessibles que quand on est un peu initié, quoi. Donc, les facteurs explicatifs de ce basculement au tournant des années 80, entre R et G, hein, pour regarder les rapports entre l'un et l'autre, c'est bon, ben, le point phénoménal, c'est la rupture que provoque l'arrivée de Thatcher et Reagan au pouvoir, qu'on a appelé la révolution néolibérale.
qui sera suivi en Union européenne par le traité de l'acte unique en 1986. C'est le traité de l'acte unique 1986, c'est la traduction au niveau de l'Union européenne des politiques Reagan et Thatcher qui ont été initiées avant. On va voir ce que c'est ces politiques. C'est en gros la révolution néolibérale, je vais très très vite là, c'est une politique de l'offre et non pas une politique de demande. Politique de l'offre, ça veut dire, celui qui l'a le mieux résumé, bon, c'est un chancelier social-démocrate, je suis désolé, c'est Schmitt, qui a dit, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et l'emploi d'après-demain. Donc il faut reconstituer les profits. C'est ça la politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est reconstituer les marges des entreprises pour pouvoir faire de l'investissement. La deuxième composante de la révolution néolibérale, c'est ce que j'ai mis en deuxième point, c'est le triomphe de la mondialisation financière. C'est-à-dire que Thatcher-Reagan commence, libération des mouvements de capitaux, fin de l'encadrement du crédit, liberté d'installation des banques, ça c'est les années 80, qui sont mises en œuvre dans le traité de l'acte unique, 1986, dans l'Union européenne, donc à la fin des années 80 dans l'Union européenne. Donc vous voyez que là, à partir du moment où il y a libération des mouvements de capitaux, cette différenciation dans le taux de rendement du capital prend tout son sens. Fin de l'inflation, ouais, oui, il y a aussi la fin de l'inflation. Bon, c'est un phénomène qui joue aussi parce qu'il y avait une inflation pendant les années 73 à partir du choc pétrolier et qui est cassé après. Mais le point très important, c'est que la libération des mouvements de capitaux, ça autorise une différenciation extrêmement forte des placements financiers. C'est-à-dire que vous pouvez, à partir du moment où vous pouvez déplacer, les détenteurs de capital peuvent déplacer leurs fonds dans n'importe quel point du monde, eh bien, vous avez des différences de rendement du capital qui sont colossaux. Et puis, dernier élément aussi, c'est que le rapport de force bascule. Il était favorable aux salariés pendant la période des Trente Glorieuses. À partir des années 80, il devient défavorable. Il devient défavorable parce que c'est, ben, je donne quelques éléments, le chômage de masse qui commence. Le chômage de masse qui est lié en partie aux délocalisations. À partir du moment où vous libérez les mouvements de capitaux, ben, vous libérez la possibilité pour les entreprises d'investir hors des frontières nationales. Et c'est ce qui va se passer. Donc progressivement, tous les bastions industriels, etc., vont éclater. Rappelez-vous la sidérurgie, l'automobile dans les années 80. Enfin, bon. Donc, vous avez toujours les éléments explicatifs de G et de R, mais cette fois, qui se retournent par rapport à la période des Trente Glorieuses, puisque R redevient nettement supérieur à G, et notamment dans R, les placements financiers. Alors, dernier point que je vais... Je suis dans les temps, là, ou quoi ? Oui. Il nous reste un gros quart d'heure si on veut avoir un petit peu de débat après. Bon. Donc voilà, je vais finir pour que ça soit complet. Je veux faire aussi le point suivant. C'est que... Donc je vous ai dit, vous voyez un peu la démarche de Piketty. La première section, c'est la tendance de fond. La tendance de fond, c'est le patrimoine roi. La tendance de long terme, c'est R supérieur à G. OK. Mais quand on regarde la courbe, on s'aperçoit que R n'est pas constamment supérieur à G ou qu'il y a des problèmes, puisque si R était supérieur à G de manière constante, on aurait une droite en pente, hein, et on n'aurait pas une courbe en U. Donc, c'est qu'il y a des événements particuliers qui se passent. Donc le deuxième moment du travail de Piketty, c'est regardons ces événements particuliers. C'est ce que je viens de faire. Donc ce qui l'amène à distinguer des sous-périodes. Voyez, ces différentes sous-périodes, il explique à la fois des événements extérieurs, les guerres, les crises, comme la crise de Manon. Et puis, sur ces sous-périodes, il affine l'analyse entre R et G, sur chacune, non pas
de manière globale, mais sur chacune des sous-périodes, et il montre que, suivant que le rapport entre R et G se réduit, ou même s'inverse dans la période des Trente Glorieuses, eh bien, vous avez des facteurs explicatifs différents d'une période à l'autre. Hein, voilà, ça, c'est ce qu'il a fait. Et troisième point de sa démarche, c'est ce qu'il appelle l'affinement de l'analyse, c'est-à-dire, ici, il dit, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, il y a quand même des choses qui sont encore pas claires. Voilà. Donc, il va revenir en disant, voilà, je vais essayer de compléter, parce qu'il dit, même moi, en regardant, en comparant R et G, dans ces sous-périodes, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement expliquées. Donc, c'est ce qu'il appelle, c'est la troisième phase de sa démonstration, c'est l'affinement de l'analyse, l'insuffisance de la comparaison entre R et G. Alors, notamment sur la période, alors premier point, la période 1810-1910. Alors que, nous dit-il, R, donc le taux de rendement, est supérieur à G sur cette période, 1810-1910, K sur N reste à un niveau élevé, il est égal à 7. Mais il n'augmente pas. Or, si R, sur cette période-là, il n'y a pas de guerre, si R est supérieur à G, il devrait augmenter. Il ne devrait pas seulement rester à un niveau élevé mais constant. Donc, il dit, là, il faut regarder de très près ce qui se passe à l'intérieur de la sphère du capital. Et donc là, il refait des études approfondies. Et ces études approfondies, vous voyez la logique, hein, de son R. Si on suit son raisonnement, sur cette période-là, R supérieur à G, on devrait avoir une croissance du rapport. Or, on a une stabilité à un niveau qui reste élevé, mais bon. Et donc, il dit, ça, c'est le résultat du transfert progressif, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, du transfert progressif du capital de la terre vers le capital commercial et industriel. Et, si vous voulez, on a un phénomène qui est très fort, c'est l'effondrement, quasiment, du marché de la terre, marché foncier. Donc il regarde de très près l'évolution du marché foncier, il s'aperçoit que, effectivement, vous le voyez sur le... Il dégringole, quoi. La terre a de moins en moins de valeur au cours de cette période-là. Et donc, si vous voulez, elle tire quand même le taux de rendement du capital vers le bas, puisqu'elle s'effondre, son prix s'effondre, en gros, hein, au cours du temps. Donc, il y a une part... c'est un peu comme si l'effondrement du prix de la terre... Plus personne ne veut investir dans la terre, en gros, hein, puisque ceux qui ont du capital, ils voient les zones où le capital va prospérer dans l'avenir, c'est-à-dire dans un premier temps le capital commercial, puis après le capital industriel, voire dans les colonies, etc. Mais ils n'ont plus du tout envie d'investir dans la terre, c'est plus porteur. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce d'effet cumulatif du prix de la terre qui s'effondre. Donc ça, c'est un peu la spécificité de cette période-là. Pourquoi, finalement, le capital n'augmente pas? C'est que la terre, le prix de la terre s'effondre, au-delà même de ce qu'on pouvait penser être le mouvement réel. Entre 1910 et 1960, période tourmentée, difficile à expliquer, l'écart positif entre R et G est insuffisant, dit-il, pour comprendre l'évolution de K sur N, entre 1910 et 1950. Alors, entre 1910 et 1920, bon, là, ok. Là, il y a des phénomènes qui sont complètement extérieurs à l'économie, enfin, pour partie, au moins dans les destructions physiques de capital, ça, c'est la guerre. Donc, ok. Et après, l'inflation, c'est toujours les périodes de guerre, d'après-guerre, parce qu'il y a une rareté des biens. Donc, sont toujours propices à un développement fort de l'inflation. Mais
entre 1920 et 1950. Quand on regarde la courbe, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est plat. 1920, vous voyez, c'est là. Or, dans cette période, donc 1920-1950, il y a beaucoup d'incertitudes économiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ok. Les phénomènes de dévaluation compétitive, les droits de douane, etc. Mais il n'empêche, nous dit Piketty, que quand même, en dépit de ces incertitudes, R est supérieur à G. Donc, il devrait y avoir une remontée. Si R est supérieur à G. Et donc, il dit, on voit bien, quand vous voyez par différence, le capital industriel augmente effectivement, cette portion grisée, foncée là. Elle augmente, ok. Mais il dit, elle augmente, et il poursuit toute son analyse sur le prix de la terre, il augmente, mais pas suffisamment pour compenser l'effondrement du prix de la terre. Vous voyez, c'est encore pire l'aggravation de l'effondrement du prix de la terre dans cette période-là. Donc, il y a un taux de rendement du capital, mais toujours pareil, le prix de la terre, c'est un peu une espèce de marche folle à une non-valeur, quoi. Plus son prix s'effondre, et donc empêche que le capital se reconstitue au niveau où il devrait se reconstituer. Et le dernier point qu'il souligne, mais ça je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, parce qu'il dit que ça c'est un phénomène considérable dans l'histoire, et qui est commun aux différentes sociétés occidentales. Donc, pendant les Trente Glorieuses, K sur N n'augmente que faiblement, car R, le taux de rendement du capital, n'est pas toujours supérieur à G. Je vous ai dit, c'est la seule période historique où le taux de croissance de l'économie dépasse parfois le taux de rendement du capital. Mais, il dit, ce qui est remarquable au cours de cette période, c'est qu'on voit, et ça c'est la courbe gris clair, on voit émerger, et ça va prendre une importance de plus en plus grande, le capital logement. C'est-à-dire l'accession à la propriété d'un nombre croissant de ménages. Et ça, c'est une nouveauté historique considérable, puisque la propriété des logements était seulement le fait des classes supérieures dans les sociétés, dans toutes les sociétés antérieures. Et donc là, il y a l'arrivée d'une classe moyenne patrimoniale qui est un événement qui est considéré et qu'on voit se développer au cours du temps, alors qui naît pendant les Trente Glorieuses, mais qui va se poursuivre en dépit de la révolution néolibérale, etc., pendant la... Et alors, pourquoi il y a ce développement patrimonial des classes moyennes, donc cette croissance de la part du capital logement dans le capital total? Eh bien, c'est parce que à partir de la période des Trente Glorieuses, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté, notamment parce qu'il avait une stabilité, une sécurité acquise par la sécurité sociale en France, mais par des modalités voisines en Royaume-Uni, en Allemagne et même aux États-Unis. Et donc, l'augmentation du pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça génère? Ça génère la possibilité d'épargner. Et oui. Ce qui n'avait jamais été possible dans l'histoire avant. Pourquoi? Parce qu'avant les Trente Glorieuses, dans l'entre-deux-guerres et encore plus au XIXe siècle, le salaire était uniquement un salaire de subsistance. Là, vous avez, pour la première fois, notamment grâce à l'État-providence, à la Sécu, etc., et une augmentation de pouvoir d'achat dans un contexte politique et économique favorable, vous avez le développement du pouvoir d'achat des ménages, disons globalement, et donc l'émergence d'une possibilité d'épargne, et donc de constitution d'un capital logement au-delà des classes favorisées. Donc il dit ça, c'est quelque chose de considérable et qui doit retenir notre attention, parce que ça, il faut que vous vous en souveniez un peu de ces périodes, parce que dans la troisième séance, on parlera des mesures que propose Piketty par rapport à ce qui
qui est en train de se passer, là, cette espèce de remontée très forte du capital, et donc en arrière-plan du taux de rendement du capital depuis les années Reagan-Thatcher. Et donc, ça fait partie des réflexions à avoir pour prendre des mesures correctrices, pour endiguer cette montée incessante. Donc, et je vais terminer par là, puis je vous donne la parole si vous avez envie. La prochaine fois, je vous parlerai, donc, après avoir vu cette longue période historique, après on va regarder les spécificités des inégalités des 19e et 20e siècles. Donc je prendrai la France et les États-Unis. Voilà. Premier point, il faut que vous me disiez, parce que vous voyez, c'est quand même... est-ce que tout ce que je vous ai raconté ce soir, ça a été à peu près clair? Oui. Voilà. Non, mais ouais, c'est très important, parce que c'est R, le G, etc., en sous-période. Bon. Je vous ai pas prévenu tout à l'heure, dans son parcours professionnel, Bernard a été directeur des études à l'INSEE, donc l'Institut National des Statistiques Économiques et Publiques. Le deuxième lieu, c'est quoi? Le statistique économique, statistique et études économiques. Donc c'est pour ça qu'il jongle avec autant de facilité avec des airs légers. J'espère que ça ne vous empêchera pas de dormir. N'hésitez pas à le harceler si vous avez des questions à lui poser maintenant. Et puis sinon, sur le site, il y a aussi un forum où vous pouvez poser des questions si demain matin ou dans la semaine, il y a d'autres interrogations qui vous arrivent. Voilà, allez-y. Si qui ouvre le feu? Dans cette augmentation de capitalisation, passe-tu l'augmentation due à la société de loisirs, les capitaux liés aux sociétés de loisirs, se développent? Oui. Alors, dis-moi d'abord ce que tu appelles capitaux liés aux sociétés de loisirs, que je vois un peu plus que tu as en tête. Par exemple, que l'augmentation des revenus des gens a permis l'épargne, et elle a aussi permis les loisirs. Oui. Voilà, donc où places-tu cette sorte d'épargne loisir? Pour moi, ce n'est pas une épargne. Hein. En termes de stock de capital, les infrastructures de loisirs, c'est du capital logement. C'est en logement. Oui, c'est absolument du capital en logement, parce que c'est du capital immobilier. Alors, vous voyez quelque chose quand même qu'il faut que vous compreniez sur la dernière période. J'ai parlé, mais c'est très important, mais c'est insuffisant. J'ai parlé, vous le voyez à partir des Trente Glorieuses, de l'émergence de cette classe moyenne patrimoniale. Vous voyez que... Mais ça, bien sûr que ça ne suffirait pas à expliquer l'accélération, vous le voyez dans la dernière, du capital logement. Pourquoi? Parce que le capital immobilier, il a cette double propriété, d'être à la fois un capital logement et d'être un capital de placement. Et donc, ce que vous voyez croître et embellir à la fin de la période, c'est lié au capital immobilier sous forme de placement, avec la mondialisation financière, etc. Vous voyez bien, depuis les années 80-90, le prix des logements à Paris, par exemple. C'est phénoménal. Voilà, c'est ce qui remplace un peu la terre. C'est une forme de placement. Alors là, qui touche plus la classe moyenne patrimoniale, qui touche, c'est une forme de diversification des placements financiers. Justement, c'était ma question. Vous nous avez expliqué, et on comprend, que le capital augmente parce que les revenus du capital ne sont pas tous consommés et redeviennent du capital. Ouais. Et pour donner... Ils sont même que très marginalement consommés. Hein. Oui. Ouais. Et pour venir sur les placements dans l'immobilier, pour la partie placement non spéculatif, c'est-à-dire les achats d'appartements. Ouais, comme vous et moi. Pour loger. Est-ce que ça ne va pas entraîner de revenus? Ou alors ça va entraîner un revenu qu'on peut assimiler à un loyer qui n'est pas payé par le propriétaire? Oui, donc, c'est ça. Oui. On ne va pas, pour cette partie de l'investissement immobilier, on ne va pas augmenter, le capital ne va pas augmenter de lui-même. Non.
Non, il augmente. Alors, voilà. Alors, il y a deux choses. Comme quoi, avec toutes les questions, ça permet de préciser. Il y a un premier point qui est l'arrivée d'une classe moyenne patrimoniale. Vous comprenez pourquoi, dans la logique des 30 glorieuses, progressivement, cette classe moyenne émerge avec l'augmentation du pouvoir d'achat, les facilités de crédit parce que le crédit est encadré, etc. Ça, c'est une première chose. C'est le capital, le logement normal. Et puis, vous avez, vient se greffer là-dessus pour expliquer, vous avez le capital logement, en quelque sorte, comme instrument financier. Au même titre que le placement dans des actions, des obligations, etc. Et donc, ça, c'est le deuxième élément qui fait grossir le capital, c'est que là, il est réinvesti, et il est réinvesti, disons, de manière très importante. À la limite, il y a eu même, depuis la crise de 2008, un déplacement du capital strictement financier, actions, obligations, vers le capital immobilier, qui est un peu la rente, aujourd'hui, des classes dominantes. Hein, c'est-à-dire que, voilà, vous investissez, et vous voyez bien, il y avait un reportage hier ou avant-hier, il y a même maintenant des difficultés à trouver des logements, alors que des habitations pour le logement, alors que vous avez des logements inoccupés dans un certain nombre de... Donc, il y a ces deux phénomènes dans le capital logement. Il y a le capital logement au sens strict, pour se loger. Ça, c'est la classe moyenne patrimoniale, comme l'appelle Piketty. Et vous avez le logement comme placement financier, qui est, au même titre, une diversification du patrimoine des classes supérieures. Quelle est la proportion des deux ? En tous les cas, ce qu'on peut dire, vous le voyez bien, s'il y avait... quand vous avez une courbe comme ça... Si on était dans la poursuite du capital logement au sens capital patrimonial des classes moyennes, vous poursuivez cette ligne-là. Voilà, vous auriez eu un léger accroissement. Tout ce qui est en excédence progressivement, c'est le logement comme placement financier. Donc, on devrait pouvoir arriver à le chiffrer, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de ce phénomène dans un contexte. Encore une fois, vous voyez bien que ça décroche. C'est ça qui est intéressant à partir des années 90. Ça décroche pourquoi ? Parce que les années 80, c'est la mise en place de la mondialisation financière, c'est-à-dire libération des mouvements capitaux, les libertés d'établissement du système bancaire de partout dans le monde, alors qu'avant, pendant les 30 Glorieuses, les banques ne pouvaient pas se déplacer d'un pays à un autre sans une autorisation expresse. C'était l'encadrement du crédit des gouvernements. Là, ça éclate totalement. Et pourquoi la France, c'est à partir seulement des années 90 ? C'est bien parce que la politique Thatcher-Reagan, elle est traduite en France par le traité de l'acte unique, libération des mouvements de capitaux, fin des droits de douane, etc. En 1980, le traité de l'acte unique, c'est 86. Et les mesures après qui sont prises à la suite du traité de l'acte unique dans les différents pays de l'Union européenne, c'est 88, 89, 90. Donc, on voit bien, il y a tout à fait là une cohérence avec les éléments historiques. Oui, alors vous êtes deux dans le même coin, là. Il nous reste 2 minutes. Mais sinon, on revient la semaine prochaine. Hein. Oui. Donc, vous continuez, la semaine prochaine, on revient. On commence par poser les questions. Vas-y. Juste en passant, on voit bien que, du coup, les investissements dans les terres agricoles descendent depuis longtemps. Au vu de la mode, entre guillemets, de ce qui se passe en ce moment et de l'évolution des comportements par rapport au bio et tout ça, est-ce qu'on ne va pas voir aujourd'hui et dans les années à venir une remotivation dans les gens qui vont... Avec les terres, acheter les terres, quoi. Et les vignes aussi. On va prendre notre deuxième intervention. Oui, peut-être qu'il peut répondre. Oui, vas-y. Pardon, attends. Vas-y. Il y a le dégagement de richesses qu'on voit, en tout cas de flux de capitaux. Pourquoi les États ne se précipitent pas pour légiférer sur la taxation des flux financiers? Écoute.
Donc, c'est vite fait parce que je ne réponds pas à cette question. Pourquoi? Parce que c'est la troisième séance, ça sera ça. C'est les propositions de Piketty. Donc, qui seront du coup, elles sont intéressantes, à mon avis, elles amènent à plein de discussions. Hein, et elles nous ramènent à notre propre situation. Et je veux dire, la réponse, elle tient en un mot, c'est un rapport de force politique et économique. Mais ça, Piketty fait des propositions. Bien sûr, il a constaté tout ça. Et Piketty, il a des limites, mais il est quand même situé aussi politiquement. Donc, il fait des propositions pour remédier à ça. Alors, ta question est très intéressante. Je pense que là aussi, pour que éventuellement la Terre reprenne de la valeur, ça suppose qu'il y ait un environnement, disons, législatif qui accompagne ce mouvement vers l'agriculture bio, etc. Tant qu'on sera dans un modèle qui est quand même celui dans lequel progressivement la France s'oriente aussi de l'agriculture intensive, la terre continuera à perdre de la valeur. Hein, parce que justement, dans le modèle de l'agriculture intensive, c'est faire le maximum de production sur une surface la plus limitée possible. Donc, la possibilité que la terre reprenne de la valeur, ça serait qu'on change de modèle agricole, quoi. Ce qui est aussi un problème politique et écologique majeur. Je vous propose de remercier Bernard.